Hello and welcome to Paving the Way Podcast, Season 3, Episode 1. Damn, can't believe you finally made it here. And our first guest needs no introduction. Y'all may know him as a sharpshooter, but I know him as my broski, you know, from the hood, Park Kex, you know, and, you know, we'll get more into it, you know what I'm saying? Please give it up for Mr. Richard, Adair. Yeah. Thanks. Yeah. Merci d'avoir accepté l'invitation, Seth. Moi, on t'a envoyé une invitation directement, t'as accepté. J'étais une grosse histoire à UQAM, Laval. On va parler de tout. Pagé, Parkex, qu'est-ce que tu fais présentement? Donc, la première question qu'on pose à tout le monde, c'est quand la passion pour toi a commencé, la passion du basket? Ben, moi, la passion a commencé vraiment quand j'ai changé de neighborhood. J'habitais à Villeray, c'était plus le soccer là-bas. Handball, c'est les sports que je faisais là-bas. Et là, quand j'ai déménagé en cinquième année à l'école Barclay à Parkex, c'est là que j'ai mis les gars comme Ernst, Winchell, Evans, La Roche, tout ça. Et c'est là que ma passion de basket a commencé. Yeah. Oh man, so wait, you're from Villeray. How come you didn't get into soccer or handball? I was playing soccer and handball. I played. J'ai continué à jouer au handball et soccer, mais quand je suis arrivé à Barclay, les gars, le vibe, c'était de jouer au basket. Tout le monde joue au basket. Puis je suis juste rentré dans le vibe aussi. So do you think you would have, if you continue playing soccer, handball, you think you'd have continued, you would have probably made it far or what? Maybe handball. I was okay. Handball? Okay. Yeah. Oh, jeez. I was good. Okay. Est-ce que tu dirais jouer au handball, ça t'a aidé avec le basket après? C'est sûr. Parce que le handball, le footwork, c'est un peu comme le basket. T'sais, quand tu arrives pour faire un lay-up, c'est la même affaire comme si tu arrivais pour faire un tir en suspension. Fait que c'est un, deux, puis tu sautes dans les airs. Fait que j'avais déjà les steps. Fait que quand je suis arrivé au basket, je savais déjà faire un lay-up, mais droite facile, là, parce qu'à cause des steps d'handball. Fait que la transition était facile. Puis pour le soccer aussi, jouer au soccer, fait que footwork, ça rentrait dedans aussi. Fait que ça m'a aidé. Okay. Puis c'est bon de faire plusieurs sports, you know? Faire plusieurs sports, puis là, plus tard, tu choisis un sport, puis tous les acquis que tu as pris dans les différents sports, tu les mets ensemble, you know? Puis quand tu as rencontré les gars, comme tu as dit, Evans, Ernst, Winchell, directement rentré dans le basketball, c'était comment ils t'ont introduit? C'était dans le parc? Qu'est-ce que tu peux... Ouais, il y avait un parc à Parkex que tout le monde allait, you know? Puis, tu sais, moi, j'allais au début, mais je regardais plus que jouer. Mais c'est quand je suis arrivé en sixième année, tu sais, la journée du try-out, moi, je partais chez moi, là. J'entrais chez moi, puis là, Winchell et Ernst, ils sont comme, yo, tu viens pas au try-out? Et il y a le try-out de back then à Parkex, c'était Intrepid de Montréal. Fait que moi, je savais pas, je partais à la maison, puis là, je suis arrivé au try-out, j'ai fait l'équipe, puis à partir de là, c'était l'histoire, you know? Uh-huh. And you playing at Parkex, you know, it's all those little banners at Parkex. Yeah, you know, so a lot of people don't know that you know, you guys, you know, are the one that, you know, kind the of first, the first banner, the first banner. My name is on it. So can you walk us through? So who was your coach then, and how was he like? How were you guys, you know, your practices and like? How did you fall in love with the game after, you know, learn how to play right away? Le love pour de vrai, c'est comme j'ai dit après que j'ai fait l'équipe. Mm-hmm. Je suis rentré à la maison. I went home. I was like, Mom, I made the team. And my big sister, I was like, I made the team. So I was happy. So after that day, I made the team. The next day, I was in the gym. I was in the gym trying to get better, you know? Mm-hmm. And yeah. No, your coach. Who was your first coach? Yeah. My coach, it was Martin. His name was Martin. He wasn't a guy from Parkex, but yeah. Like I said, it wasn't really Parkex. It was a program in Parkex, but it was called Intrepid de Montréal. Yeah. Okay. Est-ce que Henry faisait déjà des workouts à ce moment-là? Non, je connaissais pas Henry. Henry était pas encore là. Okay. So what was the transition from Parkex to Pagé? Like, how did you switch over? And why didn't you just... Was there not a team at Pagé? Non, or... c'est ça. Quand moi, j'ai fini...
il n'y avait pas d'équipe Parquex encore. Benjamin. Je pense qu'ils avaient une équipe juvénile, mais ils n'avaient pas encore de Benjamin. Fait que Chala à Pagé, puis c'était juste right que Pagé, you know the history à Pagé. Secondaire 1, I'm going to school over there, so I just play there. Puis aussi, on sait tous qu'à Pagé, il y a un Hall of Fame. So, est-ce que tu étais un peu intimidé quand tu... Je ne sais pas si le Hall of Fame était déjà installé, mais est-ce que tu étais intimidé que, oh, tu as joué à Pagé, puis dans ce temps-là, Pagé, c'était la ligue. Names have been there, yeah. Yeah, non, j'ai entendu les stories des gars qui sont passés là, les Mannix, Loons, D'Alembert, puis plusieurs autres, la NC. J'avais entendu les stories, mais moi, je connaissais pas tout ça, là, tu sais. J'avais pas encore cette pression-là de performer ou, puis pour parler du Hall of Fame, il y avait pas. C'est arrivé il y a peut-être 4-5 ans, peut-être. C'était vraiment plus tard, là, ouais. Were you always from the beginning? Oh, can you answer that question? No, go. Okay, from the beginning, were you always able to shoot, or did that come later, or what? Please tell us. A lot of people want to know how Derisha Adair became the shooter that he is. You know, I became the shooter. I was like my first time secondary one. I went to I went in the gym, Pagé. I saw Etienne Lindor and Evan Gagnon. They were having a workout, and I was sitting. I was watching them. They didn't miss a shot. They wasn't missing. So I was like, I was waiting for them to miss a shot. I was like, what? They don't miss here. So après ça, Robert c'était un des coachs. Fait que je le parlais. Puis là il disait, un jour toi aussi si tu travailles, tu pratiques ta shot, tu pratiques à chaque jour, tu vas être capable de shooter comme ça. Fait que moi, la première fois quand je suis arrivé à Pagé, c'était j'ai vu ces deux-là, puis moi, c'était comme shot. Fait que je voulais donner un bon shooter. Fait que je pense que c'est ces deux-là qui m'ont vraiment mis ça dans la tête, là, de devenir un bon shooter. Puis à partir de là, c'était juste work. Yeah. When you say... Oh, can you go? Answer. Est-ce que tu parlais un peu de Robert puis ses workouts? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Robert, mais en tout cas, on n'entend pas vraiment comme son nom. Robert était là pour les gars, il était là pour tout le monde, il ouvrait le gym, puis il n'était pas payé là, il était là, puis n'importe qui pouvait venir là, même ton grand frère, il venait des fois, les gars de Saint-Michel, les gars de Monarch venaient des fois, fait que c'était vraiment les gars de partout, puis tu pouvais venir au workout durant l'été seulement, l'été, pas durant l'année, mais l'été, je parle, tout le monde pouvait venir, puis on faisait des workouts, on faisait des runs, puis ces workouts, c'était vraiment... Ball handling, c'est les affaires qu'on voit maintenant. Ball handling, beaucoup de shooting form, puis c'est ça. And beaucoup de fondamentaux, je vais dire. Beaucoup de fondamentaux. I was gonna say, you said you started playing basketball with Winchell, Ernst, and Events. All these guys are big, pretty big time players in Montreal. Were you not intimidated when you first started playing with them? Because they've been playing for a while, and then you're the new kid coming to the block, and now you gotta. You know, play with them. How were you able to get on their level, or you know, mais so fast? J'étais pas intimidé vu que j'étais déjà sportif. Je faisais du soccer, je faisais du handball, fait que j'avais déjà un peu de rapidité, un peu de footwork. Fait que le reste est juste de pratiquer puis essayer de get better every day. You know, puis on restait tellement ensemble que nous trois, moi, Winchell, Ernst, on a toujours comme monter ensemble, là. Mais chacun dans son way. Ernst, c'était plus point guard, general, comme il prend soin du ballon, tout. Winchell, c'était plus un slasher, you know. Moi, j'étais la plus shooter. Fait qu'on avait chacun notre way, you know. Okay. Mais on a grandi dans le basket ensemble. Est-ce que tu peux parler de ta saison cadet juvénile, comment ça s'est passé, ta carrière à Lucien Pagé? Ben, pour commencer par Benjamin, là, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. on prenait des calottes, là, contre les Dawson, les Saw, New Brookwood. Every game by 30, 20, 30, 40. Damn. Mais à partir de cadet, les affaires ont commencé à changer. Là, on était plus avec Robert durant l'été.
Puis on pratiquait. Puis cadet, ma première année, tu vois, on a perdu en demi-finale contre Son Youth, si je ne me trompe pas. Contre Son Youth. Mais déjà là, la différence de 30-40 points, c'était plus pareil. Là, on perdait peut-être de 5 points, 10 points maximum. Fait cadet, deuxième année, on a commencé à dominer là. Fait qu'on perdait peut-être 3-4 matchs par saison, là, pas plus. Mais fait que c'était vraiment graduel là. Puis juvénile, ma première année, on a perdu en demi-finale aussi. Puis ma deuxième année, on a gagné en finale contre Arsenal, triple overtime. Vous avez déjà sûrement entendu parler de cette game-là. I was there, bro. Yeah, I remember. That game was intense, bro. I want to ask because you said you guys went from getting beatings, like beat down, to finally being able to compete. And you're saying it was during the time after Robert, came. Can you walk us through the summer, your workouts? A lot of kids, I feel like a lot of kids now in this generation, all they do is work out, work out, work out, work out, but they don't put their workout in gameplay mode, So could you walk us, what did you guys do differently then to like get Je vais t'expliquer un peu comment l'été ça se passait à Bagé dans notre temps. On va dire, on va prendre une journée qui commence à 9h. Fait qu'on avait un workout à 9h, 9h30. OK? On avait un workout où est-ce qu'on fait du ball handling, shooting, passing drills, toutes sortes de drills là pour essayer d'améliorer ta game. Puis ça, c'était de 9h30 jusqu'à midi environ. Et puis là, on avait une pause, puis on revenait à 5h30 ou 6h. Et là, c'était scrimmage. On jouait 5 contre 5. Puis c'était vraiment ça. Fait que tout l'été, là, durant les 2 mois de vacances, c'est ça, every day. Du lundi au dimanche, là. C'était fou. Et entre-temps, qu'on allait dans les workouts, le matin, de 9h à midi, ça se pouvait que le midi, là, on va jouer dans le parc, là, on fait des runs, là. Puis là, à 5h30, on allait à Pagé, runs encore. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'était que dans les workouts, c'était open. Plein de monde venait, puis c'était tout âge. C'était pas oh, Benjamin. Ou... Fait que moi, là, qui étais cadet, par exemple, dans les runs, là, on jouait contre les Steve Alexandre, les Dimitri, les Evans, les gars qui étaient top dogs dans le juvie, là, Fait que ça nous a aidé beaucoup. Le fait que t'étais t'as pour all into it like durant le summer, est-ce que dans ta tête tu disais ok, je fais pas ça pour rien, je vais aller au cégep, ou tu fais juste jouer avec love of the game, mais après tu te voyais pas après t'aller au cégep? Comme c'était quoi ta vision quand tu faisais tous ces trainings là, le summer, puis tous les sacrifices que tu faisais, c'était quoi ton but là? Moi, mon but, c'était vraiment de get better, d'essayer d'être le meilleur que je pouvais. Okay? Si c'était de shooter le plus de 3 points possible. Puis, tu sais, en parlant de ça, Evan Gagnon, c'était un des meilleurs shooters ever à Pagé, je dirais. Dans une game, il avait fait 9 3 points. Puis, tu vois, ça, c'est quand. 2 ans, il est 2 ans plus vieux que moi. Fait que moi, j'étais cadet pendant qu'il a fait ce record-là. Fait que moi, dans ma tête, je pensais à ça, comme de battre son record de 10, de 9, 3 points. Fait que ça, c'était de la motivation. Tu comprends? Fait que moi, pendant que je pratiquais, c'était juste de devenir meilleur shooter, devenir meilleur en tant que joueur de basket. Mais je pensais pas vraiment cégep ou plus loin. Mais je savais qu'en travaillant, il y a des options qui vont venir. So remember, so you started from, so you started, you said Benjamin Bantam, you guys were not good, and then Non. all the way to juvenile, you guys won a championship. So how was the recruitment process, I guess, in juvenile for you, if you're going to CJ? Ben moi c'était tough quand même. C'était, j'étais pas vraiment recruté vu mon build. J'étais pas le plus grand, j'étais pas le plus beef. I was a little skinny shooter, Et puis Robert essaie de parler à quelques coachs, de me recruter puis tout. Puis c'était un peu tough. Mais deuxième année juvénile, j'ai eu une bonne saison. Puis il y a Edouard, mon petit, qui m'a recruté. Puis finalement, je devais aller à Edouard, mon petit. Ça n'a pas eu lieu à cause que j'attendais une note de l'école. Fait que je n'ai pas pu m'inscrire à temps à Edouard, mon petit. Fait que j'ai décidé de ne pas aller là-bas.
Par la suite, je parlais un peu avec les coachs de John Abbott, mais aussi c'était leur équipe était stack dans ce temps-là, fait que c'était un peu, c'était pas sûr là, you know? Mm-hmm. Fait que j'ai décidé d'aller à Vanier, où ce que Ernst était déjà là-bas en janvier. Puis première journée d'école, je suis là, ça faisait quelques temps, j'avais pas workout, out of shape. Première journée d'école, on est au Jigsmore. Et on vient me dire, Andy a dit, oh, viens à la pratique, tu vas pratiquer avec nous, puis on va voir. Puis là, je suis juste allé à la pratique, pratiquer. Jeez. Ma pire pratique de ma vie, out of shape, airball, tout. Fait que c'est ça, j'ai pratiqué avec eux de janvier jusqu'à la fin de l'année, et l'année d'après, j'ai fait l'équipe. OK, OK. Mmh. Ouais. Puis c'était quoi ton mindset durant l'été à ce que tu as pratiqué avec eux de janvier à juin? Là, tu sais un peu de quoi ça a l'air, le level du cégep. Là, maintenant, c'était quoi ton mindset durant l'été? Puis deuxième année à Vanier, première année que tu jouais avec eux? Yeah. Mais ma première année, on avait une bonne équipe. Fait que moi, c'était vraiment d'aider. C'est sûr, j'allais pas être un big time starter. Mm-hmm. Fait que c'était vraiment des complémentés, des Ernst puis Timothée, les point guard. Puis c'était vraiment ça. Fait que c'était de get better encore, pratiquer ma shot, devenir le meilleur shooter possible pour complémenter la game à Ernst. Ouais. Okay. And your second year, how was that year for you? Your first year. My first year? Yeah, making a team. How that year like go for you? C'était tough. C'était up and down. Up mm-hmm. and down. Fait que y a eu deux tournois où que j'ai eu la chance de glow. Puis c'était le premier tournoi de l'année. C'était à Nicolas Gatineau. Mm-hmm. On est allé là-bas. Puis notre starting point guard, starting 1-2 punch avec Ernst, il n'était pas venu à ce tournoi-là. Fait que j'ai pris le starting spot et à partir de là, j'ai bien joué dans le tournoi, puis même Andy était content, il m'a félicité et tout, puis c'est à partir de là, j'ai eu un peu plus de confiance du coaching staff. Mm-hmm. Et puis la même année, on est allé à un tournoi au State parce qu'on avait joué contre South Kent avec Dion Waiters, Isaiah Thomas Jr. puis tout ça. Pareil, il n'était pas venu à ce tournoi-là, fait que j'ai eu beaucoup de temps de jeu, puis j'ai bien joué, puis ouais. Ok, jeez. And how about your second year? How was your... Yeah, because Ernst left after that year, right? To yeah. Mexico State? Yeah. And for sure, him being there is a lot easier. So the second year he's gone, now you got to step up in a bigger role. I had to adjust, so, yeah. So how was that? Yeah, so Ernst was supposed to stay. Mm-hmm. But late, he got an offer at the New Mexico State, so he went there, right? So I was now the first point guard. And to be honest, I was never like a vrai point guard. I was always like combo, 1-2, yeah. 2, you know? Yeah. And when Ernst left, I was doomed to be the one, you know? Mm-hmm. So, c'est ça. Fait qu'à partir de là, je devais ramener, étudier la game, devenir meilleur en tant que point guard avec les pick and rolls et tout, étudier plus. Fait que là, moi, pour m'aider, qu'est-ce que j'ai fait? Commencer à regarder du Chris Paul, commencer à regarder du Rajon Rondo. Fait que tous ces affaires-là, ça m'a aidé. Mm-hmm. Fait que c'était un bigger role for sure quand on s'est parti. Ouais. Et comment Andy t'a aussi aidé, vu que Seth a été coaché par Andy et toi? Shout out to Andy. So, comment Andy t'a aidé? Je dirais, il m'a fait confiance. T'sais, il savait que Andy n'était pas là, fait que il m'a fait confiance. Il a dit cette année, you're going to run the one. Puis c'est ça. En me faisant confiance, comme s'il me donnait la clé de l'équipe. Puis c'est ça. I remember when I signed to Vanier to come for the year after. That year, oh no, I wasn't there. I was at Parquet, but that year during you guys had a trip to down south. Yeah. And I remember you guys played a game against St. Andrews, I believe. Yeah, that game that you went off. You, I mean, how many? How much you have, bro? I think you have seven threes. So,
Six or seven three-pointers. You finished the game with 20-some, like, and it was against Marco Carter Williams. We won that game by, like, 1 or 2 points. Yeah, we were up big, and then he ended up by 1 or 2. Yeah. Yo, Rich went off. I was like, jeez. And this was against NBA prospect, bro. I'm just Tu te rappelles, on était dans le gym à côté. T'étais en train de me feed, en train de faire mon warm-up. So I was about to eat. Can you, what you say? Because you say pass, man. Yo, facts, bro. So that was pretty big, bro. So, like, my thing now is you played that game against a really good team, player, and you actually went off, right? And then that whole year you're playing the one. So were you in your head, were you like, you know what, I want to go play at the next level university, like, for sure? Or were you, because you know how from Paget to Vanier, you weren't really sure what you're going to do, but then you made the team. So were you thinking about going to play university? I started because playing against, like, guys like Michael Carter Williams, and even you were at the game against Northfield Mont Hermon. Remember when Laurent Rivard was there? At the end of the game, Laurent came and told me, like, yo, the guys told me that you're nice. I was like, oh yeah, for sure, for real. I was like, shit, okay, so maybe I can play with those guys, you know? Yeah. But it wasn't really a thing. Moi, c'était, I was playing, jouais, puis c'était de jouer mon meilleur que je pouvais. Mais je pensais jamais vraiment à comme, oh, I want to go D1, I was using basketball as a tool, you know? Mm-hmm. Ça, c'était plus mon focus que le basket allait m'amener quelque chose. Eventually, with the hard work and too, c'est ça. Yeah, I'm gonna stop you right there for a second. I want you. Can you elaborate on that a little bit more? How using basketball as a tool, and I just want you to just explain what you mean by that. Just, I don't know. I want people to really actually pay attention to that. You know, that especially the generation now that are, you know, playing ball basketball right now. So using basketball as a tool is like, let's say, getting a scholarship. And then they pay your school. So, quand tu finis l'école là, t'as pas une dette de, je sais pas, 25 000 sur toi. Parce que, à cause que tu joues au basket, ils ont pu te donner une bourse. Ça, c'est un. Après ça, pour du travail, à cause que t'as joué à UCAM, un gars comme moi maintenant, je coach avec UCAM. Donc, bon, ça, c'est des portes que ça ouvre. Fait que, le basket, c'est big. Même le, j'ai travaillé un peu pendant 4 ans à Parkex dans la concentration. Ça, c'est parce que je connais Nelson. Et puis, tout ça, c'est le basket. Tu comprends? Fait que le basket, ça peut t'ouvrir plein de portes. Mmh. On va parler de ta carrière de coach après, mais juste rapidement, est-ce que tu as un message que tu disais à tes jeunes? Ouais, ça, c'est un message que je dis à mes jeunes, ouais. For sure. Que le basket, là, si tu le traites bien, le basket va bien te traiter. Ça, c'est un big message. Puis, est-ce que tu peux dire comment tu as atterri à Laval? À Laval, c'était I'm sure a lot of people don't know that, man. That, you know, you're at Laval, you know? Non, mais j'ai entendu l'affaire à Laval. Oh, va pas à Laval, you know. Il y a des rumeurs que les Noirs jouent pas trop et tout. Fait, j'ai entendu plein de trucs là-bas, mais c'est ça. Le coach, c'était Jacques Paiement dans le temps. Lui, il est venu à peut-être mes 4-5 dernières games à Montréal. Puis au début, je le voyais dans le crowd. Je savais qu'il coachait à Sainte-Foy, mais je savais pas qu'il allait être coach à Laval l'année d'après. Il était déjà assistant, mais moi, je ne savais pas. Je ne regardais pas les games de Laval. Fait qu'il était déjà assistant. Et puis, l'année d'après, il allait être le head coach. OK? Fait que j'imagine quand il a vu qu'il allait être le head coach, il a commencé son recrutement. Puis, c'est là qu'il est venu, il m'a parlé. Il est venu à Vanier, on a parlé, on est allé manger ensemble. Puis, c'est comme ça que le recrutement a commencé avec Laval. Mais il coachait contre moi déjà. Hein? Il n'a pas été fine? Je pense pas, non.
OK. Mais il coachait déjà contre moi. Il coachait assez une fois, donc il savait déjà qu'est-ce que j'étais capable de faire. You know? OK. Yeah. So how was your time at Laval? Did you enjoy it? What did you like about it? Why did you leave? It was okay. C'était correct. Pour de vrai, ma première année, je vais pas chialer. Ma première année, c'était des ups and downs. Yeah. Mais je vais pas chialer. J'ai vraiment aimé ma première année. C'est ma deuxième année que c'était it was weird. Mm-hmm. C'était comme si j'étais pas bienvenu là-bas. Puis tu sais, ma première année, ça avait été super bien. Puis ma deuxième année, ça a juste flip. I was like, nah, man, je peux pas rester ici, you know? Okay. Ça allait, si je serais resté là-bas, je sais pas si, en tout cas. elaborate, please. Non, je sais pas si j'aurais continué à jouer au basket si je serais resté là-bas. But what happened? What happened between your first and second year? What happened? OK, pour dire, ma première année, c'était ups and downs, comme j'ai dit. Fait ça là, any rookie, you come into a season, you know. So, j'ai pas expect que je vais start puis je vais jouer 35 minutes parce que t'es une première année. Mais j'ai start quelques games. J'ai start au moins 5 games faciles. Il y a des games, j'ai joué 30 minutes. Il y a des games, j'ai joué 25 minutes. Fait que ça, c'était correct. Mais la fin, c'était ups and downs. Il y a des games, je vais jouer 30 minutes. Next game, je joue 5 minutes. Okay. Why? Even though if I play well, I would play 5 minutes. But why? Fait que je comprenais pas. Mais, comme j'ai dit, ma première année, ups and downs, c'était correct. Mais ma deuxième année, il y a eu des trucs très bizarres où ce que il y avait un joueur qui était blessé. Il y a un joueur qui est blessé, puis il est pas censé jouer, là. On est dans un tournoi, puis normalement, I was coming off the bench as the second point guard. Et là, le gars qui a pas pratiqué toute la semaine, il rentre avant moi. I was like, OK, il y a quelque chose de bizarre. Yeah, okay. Puis ça continuait des affaires comme ça. Puis après ça, c'est quand on est allé à un tournoi au State. On a fait une tournée, on a joué contre Utah State. On a joué contre Weber State dans le temps quand Damian Lillard était là. Mm-hmm. On a joué contre BYU dans le temps quand Jimmy Fredette était là. Jimmy. Après ces trois matchs-là qu'on est retourné à Québec, mm-hmm. C'est là que j'ai quitté Laval. Yeah. Okay. And wait, before we get into, I'm going to ask you questions about Damian Lillard, Jimmy Fredette, because you've seen them play up close. Right now that you're older, you're wiser, you know, obviously your basketball knowledge is a lot more, you know, is there something you would have changed back then? Maybe at the time that you were going through? Because a lot of people go through that, you know, a lot of people go through what you went through. Is there something that you would, an advice you could give people that if you're going through that, how to handle it in a more, I guess, mature level, I don't know. Non, je comprends. Yeah, tu dois pousser. Puis je vais te le dire, j'ai poussé. J'ai essayé de travailler plus fort dans les pratiques. Tu sais, moi, j'étais jamais en retard. J'étais un gars discipliné, you know. Fait que je faisais tout bien, mais ça allait pas. Fait que c'était pas compatible. Yeah, yeah. Et puis, juste pour te dire, comme quand je suis revenu de Utah après le tournoi, j'ai eu une conversation avec le coach. Puis, comment il a parlé, c'est comme si il s'attendait que je quitte plus tôt, genre. OK. Fait que ça m'a choqué. Ça fait qu'après cette conversation-là que j'ai eue, c'était done, là. OK. You know? Okay. Jouer contre Lillard puis jouer contre Jimmy Fredette, c'est comment? Lillard, déjà, dès que je suis entré dans le gym, il était en train de faire un workout. Ça, c'était comme peut-être 3-4 heures avant la game. On avait un petit shoot around. Fait on arrive dans le gym, je suis assis sur les bancs de match. Il est tout seul dans le gym en train de workout avec des écouteurs. On le fait des passes. Puis je le regarde shooter, il rate pas de shot. Puis déjà là, tu vois que il était bizarre là. Tu vois quand quelqu'un est bizarre. Yeah. How about Jimmy? Fredette, lui, on a joué BYU. On a commencé le match. Il n'a pas touché le ballon les 3-4 premières minutes. Mais dès qu'il a commencé à lights out, là, il a mis, je pense, 12 ou 13 points d'affilée. Sub, il a pu jouer.
Fait qu'il a joué, je pense, 12 ou 14 minutes. Il était 5 en 5 du floor. Il est allé s'asseoir. Lui aussi, c'était un gars très bizarre. Mais les gars, quand tu vois ces gars-là, t'es comme « fuck ». OK. Yeah. Et directement après, t'as la conversation, finalement, tu décides de revenir à Montréal. C'est quoi ton mindset? Est-ce que tu dis tu vas essayer de trouver une autre équipe? Ou est-ce que tu te dis « OK, le basketball, c'est fini ». C'est quoi ton mindset? Mon mindset, c'est vraiment... Mais je savais pas que ça allait être vite comme ça. Mon mindset, c'était de venir à Montréal, pratiquer, get better once again, and trouver quelque chose, you know? Mais quand je suis retourné à Montréal, j'ai été voir Andy pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé et tout. Parce que dans le recrutement, il m'avait conseillé aussi, you know? Fait que j'allais le voir, puis peut-être deux semaines après, je reçois plein d'appels. Des équipes dans l'Ouest, c'était qui? Saskatchewan, c'est quoi cette équipe-là? Une équipe à Vancouver, la Fraser Valley, Brandon, Winnipeg, plein d'équipes qui me parlaient, là, mais c'est ça, mais ça arrivait vite, là. Fait que je suis resté in shape, j'ai continué à pratiquer, puis j'ai pris un petit job de coaching aussi à Pagé. Coaching de Benjamin, fait que c'est ça que je faisais. Okay, and then you finally went to UCAM. Can you please talk a little about Coach Olga and how, you know, a lot of people probably don't know how she coached or how she, but she's a legend, you know, Hall of Famer, you know. So yeah. Talk a little about her. Olga, moi, quand je parle d'Olga à tout le monde, je dis que c'est ma deuxième mère pour de vrai parce que quand t'es avec Olga, elle va prendre soin de toi, you know? Elle va make sure que à l'école ça va bien. Elle va make sure que peut-être si t'as pas un job, elle va trouver des petits jobs ici par là, you know? Mais elle va te traiter comme si t'étais son fils. Fait que ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis elle a même fait un truc pour ma famille que jusqu'à présent, moi puis elle on sait là, mais elle a aidé beaucoup. That's what's up. Okay. Donc, tu arrives à UCAM directement, tu joues. Est-ce que tu avais un impact direct ou tu devais recommencer? Non. Je devais faire mes preuves. Mais la force, c'est que quand je jouais à Laval, je jouais contre UCAM, right? Mm-hmm. Fait qu'ils savaient un peu what's up. Parce qu'il y a une game que j'étais à Laval, puis c'était pour voir qui allait être première place. Puis on perdait par 30. Et ça, c'est quand j'étais à Laval. On perd par 30 à UCAM. Puis mon petit frère est là, ma petite soeur est là, ma grande soeur est là. C'était émotionnel, là, you know? C'était la première fois qu'il venait, toute ma famille venait me voir. Puis on perdait par 30, fait que là, le coach, il m'embarque. Puis j'ai fait, je pense, un stretch là de 11 points d'affilée, là, avec des 3 points en fast break. J'ai pull up un 3. Oh. Ouais. C'était fou, là. Fait que, juste après ce 11 points straight là, ils ont pris un timeout, puis là c'était comme oh shit, OK, on est back dans la game. Fait que là après cette game là, c'est sûr que Olga elle allait jamais m'oublier là. Fait que, même quand ils m'ont recruté, puis elle a parlé de ça encore là. Okay. Ouais, mais c'est ça. Fait que, quand je suis arrivé, elle savait déjà qu'est-ce que j'étais capable, mais il y avait deux point guard en avant de moi qui étaient déjà là dans l'équipe, fait qu'il fallait quand même que je travaille là. Yeah. Ouais. Okay. And how would you say your, because you had a pretty good career at UCAM, you know, as one of the best players to ever play there. So how did you go from that, you know, trying to prove yourself to play to all of a sudden at the end, you're one of the top players to play there? What did you do in the summers or your games, your mindset? Walk us through the mind of your, you know, of Adé. Moi, c'est l'été. L'été, c'était ma clé. L'été was the key. L'été, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand Hans revenait de l'Europe, on était toujours ensemble en train de work. Fait que lui, en Europe, il apprenait des nouvelles trucs. Fait que quand il arrivait, on travaillait sur ces affaires-là, you know? Fait que c'est comme si je jouais en Europe aussi, you know? Puis en voyant Hans jouer en Europe, ça m'avait motivé aussi que maybe when I'm done, I can play in Europe too. So, c'était ça ma motivation. L'été, là, c'était du travail, là, hard work. Est-ce que
Est-ce que Laval était encerclé dans ton calendrier? C'est déjà. C'est déjà. Dès qu'on jouait contre Laval, c'était game face. J'aimais ces games-là. Surtout quand j'allais à Laval. J'aimais ça. Big games. So, là, t'es All-Star, un des meilleurs joueurs. Yeah. C'est quoi ton mindset? Yeah, bro, because a lot of people, that's the thing, because right now you're speaking very humble, bro. You know, a lot of people don't know you got a resume, accolades. You have trophies on trophies. You'll speak about that, man. Like, you went from being, you know, who's Richard to, yo, be scared of Richard, you know, like, guys, this guy, tell us, walk us, bro, yeah. No, man, moi j'ai toujours été humble, you know, mais sur le terrain, tu sais que moi, je suis un compétiteur, fait que... Mais à l'extérieur du terrain, je suis toujours humble. Je ne vais pas aller parler, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais sur le terrain, you're going to know. You know? But tell us right now. So tell us, like a lot of people want to know, you know, about your, some alchemies that you had, you know, like, you know. Non, mais en tant que scoreur, you know what I could do. Scoring. Yeah. Fait que j'étais toujours dans les top scoreurs de la ligue. Je dirais peut-être top 3. Averaging what? Like what was your average? My best was like 17.2, but yeah. 17.2, c'est quand même tough, hein? Oh, no, yeah, for sure. Il y a des games que tu scores 30 points, mais il y a des games aussi que tu drops. Wow, 14, fait que, ouais. Yeah. And what's the game is your most threes? Oh, you come, je dirais peut-être 7 ou 8. Il y a une game, c'était la première game de l'année contre Concordia. Je pense au halftime, j'avais 20, 26, 27. Mais j'ai fini avec comme 20. J'ai fait 2 points au second half. Ça, c'était quand même. Comment ça? Je ne sais down. Pas. They shut, ça... down. They shut them down. Non, c'est même pas ça. Ça arrivait souvent. Je ne sais pas. Je ne sais pas si. Je ne sais pas. Même quand j'étais juvie, un jour, mon coach Robert, il m'a crié. Là. Il était fâché après moi. Mais moi, je ne comprenais pas. Puis maintenant, quand je suis plus vieux, je comprends. Parce qu'il y avait une game à Pagé, j'ai oublié contre qui on jouait. Peut-être c'était contre Gatineau, si je ne me trompe pas. Pas Gatineau, Hall. Dans le temps quand ils étaient dans la ligue. Au halftime, j'avais 31. Puis là, second half, j'ai fait, je pense, 3 points ou 4 points. Puis ils étaient fâchés, puis moi, je ne comprenais pas. Mais maintenant, quand je revois, c'est comme, je ne suis pas un killer. Je devais être le killer. Si j'ai 30 points, je fais un autre 30 points, je fais 60 points, 50 points. That's how you make a name and you know. Mais moi, dans le temps, je prends 30, OK, I was satisfied. Mais à y retourner, là, si je retournerais, c'est ça que j'aurais poussé pour faire plus. Mais, OK. Yeah. So, t'as kill la ligue, t'as kill la UCAM. C'était quoi ton mindset encore? Je redis mindset encore, mais c'était quoi ton mindset? Tu t'es dit, c'est quoi? Comme tu as dit, Ernst, c'est en Europe, j'allais en Europe, c'était quoi? Ouais, c'était ça ma motivation. C'était, je voyais mon partenaire Ernst qui est là, il fait ses affaires, you know. L'été, il vient, on travaille ensemble. Fait que je savais que je pouvais aussi, là, you know. Mais c'est chacun, il y a des portes qui ouvrent pour chacun, you know. Puis c'est pas toutes les mêmes portes, fait que. Je suis pas assez proche de signer un petit contrat là, mais en France, mais finalement ça avait pas, c'est pas arrivé. Yeah. So what made you, so you decided to go coaching or did it come to you? Who, like, how did you, I know you said you started, you coached that one time when you had to sit out that year at Pagé. À Pagé, ouais. Yeah, so how did coaching after come? Dans le fond, c'est quand j'ai fini mes années à UCAM, quand j'ai fini mon basket, il me restait un an d'école, right? Et quand j'ai fini l'école, j'avais un bac. Puis avec mon bac, je pouvais faire de la concentration basket, right? Fait que je savais qu'à Parkex, Nelson était en train de run un programme de sport-études. Et puis je savais que je pouvais aller l'aider, aller le voir. Fait que quand je suis arrivé dans son bureau, on a parlé, on a discuté. Il m'a pris avec les mains ouvertes. Puis à partir de là, c'est mon gars, c'est mon mentor. PX Knight. Yeah. So, I'm asking this question. I'm sure a lot of people want to know. So, why didn't you go to Pagé? Because, no, for real, because, no, you're, think about it, you're a Hall of Famer at Pagé. You're one of the top players to play in Montreal.
you had a killer career at UCAM, and Vanier too. You had a great career, and then you're done. You have all this. Now you're giving back coaching, and now you went to Park X when Paget's there. You know, and that's your. You know, so why didn't you go there? La raison pourquoi je suis allé là-bas, c'est que j'ai commencé ma carrière de basket à Park X. Je suis un gars de Park X, tu comprends? Puis, tu sais, Nelson, je le connaissais depuis que j'ai 10 ans, 11 ans. Là. Fait que, comme j'ai dit, quand je suis allé le voir pour le basket sport-études, il m'a accepté, puis c'était une opportunité qui était devant moi, you know? Fait que je l'ai pris, puis là, à partir de là, je suis resté à ses côtés. Mm-hmm. Et puis, je suis embarqué dans le coaching aussi avec Park X Night. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment ça. C'est une opportunité était là, and I took it. Yeah. Okay, so it's all love with Paget. It's all love. Yeah. It's just that Park X was, you know. Yeah, just had to open doors, you know. I got you. So you heard it here first, paving the way. it's all love, à Paget from all Richard. Love, all love. So, yeah. Est-ce que tu peux parler un peu ça du programme de PX Knight? Ah, qu'est-ce qu'il y a qui voit OK Lou Gantz ou qui voit les gars comme Kenny, mais il voit pas le travail comme à travers tout ça. Tu vois, tu peux parler un peu du programme? Yeah, mais le programme de Parkex c'est basé sur beaucoup de hard work, respect, discipline. Puis, je pense qu'une fois que tu as ces trois affaires-là, puis tu l'appliques dans le basket, dans ta vie, ça va t'amener loin. C'est, nous, à Park X, un jeune qui arrive en retard, là, même si c'est une minute, tu es en retard. You go on the side, jusqu'à temps qu'un coach te dit de rentrer. On est dans un match, tu arrives en retard au meeting. Même si tu es un starter, tu es notre meilleur joueur, tu vas pas start. So, tout le monde est traité pareil. Là. Il n'y a pas de oh, tu es notre meilleur joueur, on va te chouchouter. Puis, non, il n'y a pas ça. Fait que c'est vraiment ça, là. Discipline, respect, puis c'est ça. Et puis tu as aussi décidé de coacher avec Cam, ça fait quoi? Deux, trois ans que tu es avec Cam? Trois ans. Yeah. Puis, comment ça l'a commencer, pourquoi tu as décidé d'aller à l'UQAM? C'est plus quand Mario Joseph a eu la job. Mario m'a coaché quand j'étais à l'UQAM, il était assistant. Puis quand il a eu la job, il a hire Yul, puis. Shout out to Yul. Decary, puis Geneviève. Fait qu'il y avait son staff. Mais moi, j'étais toujours en contact avec eux quand même si je n'étais pas dans le coaching staff. Fait que à un moment donné, je pense que c'était en janvier, sa première année de head coach, au milieu de l'année, il y a eu une conversation avec moi, puis c'est ça, ça s'est fait. Ouais. Did you ever think you'd be coaching, ever? C'était toujours derrière ma tête qu'un jour, je voudrais redonner aux kids, What's harder, coaching university or coaching the younger kids? C'est différents challenges. Yeah. C'est différents challenges. Je ne pourrais pas dire nécessairement un est plus difficile que l'autre, mais c'est différents challenges. Mm-hmm. Et si tu as des jeunes que tu essaies de développer pour devenir des bons étudiants, des bons athlètes, des coachable athlètes, puis rendu universitaire, c'est comme les gars, ils ont déjà tout ce qu'ils avaient à apprendre quand ils étaient jeunes. Fait c'est plus, je pense, développement quand tu es avec les plus jeunes. Okay. Puis arrivé universitaire, you try to win. You know? Okay. Yeah. Est-ce qu'un jour, tu voudrais être un head coach quelque part? University level or somewhere? Ouais. Moi, comme vous avez vu, je believe beaucoup en, you know, you work. Yeah. À un moment donné, une opportunité va arriver, you know? Yeah, and that's crazy, man. Like this interview, one thing I've learned, which is great because I know you for a while, and I'm just like, one thing I've learned is that to me, you're always nice. You know, it's like you know, ever since I saw you were nice. So, but then to hear the story where like each step you had to prove yourself, yeah, it's actually crazy because I'm sure a lot of people don't know about that. You know, you know, so it's like an underdog story. You know, and look where you are right now to the point that you are. So, damn, yeah, man, big ups to that. Thanks. Sure. Yeah. Seth, you
the game. Oh, yeah, yeah, for sure, for sure. Yo, Rich, is there anything else you'd like to say, bro, about anything, you know? No, man, j'aime vraiment qu'est-ce que vous faites. Mm-hmm. Shout out à vous. C'est vraiment nice de ramener les petites histoires comme ça, de tout le monde qui ont aidé à pave the way pour le basket. Yeah, yeah, yeah. Ah, ici à Montréal, c'est vraiment nice. Definitely, yeah. For sure, we'll have you before we get into the game. No, let's get to the game first, and then I'll speak. So, okay. Can I play the game first? Okay. So, moi, mon jeu, tu dois me nommer tes top 5 players que tu as joué avec. So, ton starting 5. So, le meilleur point guard que tu as joué avec, shooting guard, small forward, power forward, center que tu as joué avec. And you'll know politics, huh? You'll give straight answers. point guard, for sure, it's Ernst. Okay. Point guard, it's no doubt Ernst. Shooting guard, j'aurais dit un gars qui joue avec moi à Laval, Jeff Beaulieu. At the three, I would say Alexandre Bernard at UCAM. Okay. And at the four, I can put Orlando. Orlando. This guy's a D1 if he was playing. Yeah, yeah. I can put Orlando. I played with him at Vanier first year. And at the five, a guy from Laval, François Olivier Hébert, okay. FO. Yeah. Okay. And what's your, can you usually ask this? What's your Mount Rushmore at UCAM? At UCAM? Yeah, Mount Rushmore. You can put yourself if you want. Nah, I'm not going to put myself. I would say Kevin, Mario Joseph, Alexandre Bernard, Adil Elmasou. Yeah. Okay. Il joue dans l'équipe nationale du Maroc, lui. Oh, big time. Ouais. Puis okay. C'est lui qui a mis, quand j'étais à Laval, c'est lui qui a mis la shot de 3 points pour faire UCAM gagner quand j'étais à Laval. Ouais. Okay. Cinquième. Eric Kote Kunima. Okay. Eric Kote, he was playing with me at UCAM. 6'4". Mm-hmm. He was a good defender. He won the defensive player of the year like four years straight. Yeah, yeah. Yeah, he was good, yeah. Okay. My game is you got to start one, bench one, cut one. I'm going to give you three scenarios. All right, the first one is playing your Paget career as you are a Hall of Fame there. You know, if anybody wants to know, go to Paget. It's located at near Park X, Jerry Metro. You see Richard on the wall right before you enter the gym. Yeah, so it's a big time. You know, with a lot of players, it's big time. So your career at Paget, your UCAM career, which I know you try to stay humble, bro, but yo, be cocky, bro. Yo, you did what you did, okay? Like, you know, at UCAM. And the third one is right now coaching, giving back to the kids, you know, which is pretty big, I find. It's pretty, you know, also coaching at probably one of the best programs not in Quebec, yeah. Canada, so. Those three scenarios. So, I'm gonna start Paget days. Okay. Bench, coaching the kids now. Okay. And yeah, lastly, you can. Okay. Yeah. All right. Not bad. Yeah. Like Kenny. Yeah. I'm good. You say okay? Yeah. So yo, I just want to say thank you for being on the show, man, and. Like me and Kenny were talking about before we got on, we're like, yo, this is our first episode on season 3, and we want to start off on a big note, you know, big note, you know, big surprise, you know, we're like, you know, let's get Richard in, this will, we'll get people to watch for sure. Shout out. and a lot of people don't know that, yo, you're an underdog story, you are, man. Going from, you didn't even play basketball, you played handball and soccer. And baseball. And baseball. All these, yo, that's crazy. You know, and so, yo, playing with guys that were big-time names then, and play with them, and then, you know, make a name for yourself, not only at Paget, but Vanier, UCAM, you know, and now just, so it's pretty big, man. So thanks for being on the show, man. Thanks to you guys, man. Thanks to you guys for inviting me.
Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais comme ça t'a dit, même moi, nous, on est plus jeunes que toi. Tu jouais avec mon frère, contre mon frère. Puis moi, de l'extérieur, moi, je pensais que tu étais une star depuis que tu es petit. Je ne savais pas tes inside stories. So, juste d'après que ce n'était pas si facile pour toi. Puis maintenant que tu as go through, puis maintenant tu es un Hall of Fame à Pagé, puis toute ta carrière. So, c'était vraiment nice d'apprendre de tout ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de coachs qui vont tout apprendre, vont apprendre de ça. So. All right, thanks. Thanks, guys. Thanks for having me. No problem. To everyone listening, don't forget to subscribe. Once again, my name is Seth Amoa, and I'm with Kenny Jean-Louis, Mr. KJL. And thank you, Richard, for being on the show. And stay tuned for our next episode. Thanks, guys.